Bonsoir à vous toutes et à vous tous, il est 18h pile, vous êtes sur 01 Net TV comme chaque jeudi. Place au grand rendez-vous que vous attendez dédié à l'actualité high-tech, c'est 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Le piratage du siècle. Un milliard de comptes Yahoo piratés. Faut-il s'inquiéter? C'est le gros sujet d'actualité ce soir dans 01 Live Hebdo. Notre spécialiste Gilbert Kallenborn va tout nous dire dans un instant. Et puis on va parler de la 5G, les amis. La 5G arrive bientôt en Asie, peut-être un petit peu plus tard en France et en Europe. Est-ce que c'est vraiment une révolution cette 5G? Amélie Charnay rentre de Corée. Elle viendra témoigner de cette incroyable effervescence autour de la 4G et même de la 5G. Ouais. Et puis alors en plus, Amélie, sitôt rentrée en France, Elle a pris le train. Elle a pris le train direct. Elle est allée tester le premier TGV équipé d'une connexion Wi-Fi. Mais peut-être qu'elle est allée en Corée en TGV d'ailleurs. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Elle va nous parler de ce Wi-Fi dans le train. Parfait. Et puis pendant ce temps-là, aux États-Unis, notre ami Donald Trump convoque les grands patrons de la tech pour leur expliquer à quelle sauce ils vont être mangés. Et croyez-moi, c'est pas triste. Décryptage avec Delphine Sabatier dans la chronique Zoom Actu, ce sera dans un petit quart d'heure. Enfin, comme chaque semaine, rendez-vous avec nos amis du Labo. Aujourd'hui, Jean-Sébastien Zanqui va venir vous dévoiler en avant-première la nouvelle gamme de smartphones Asus. Il y en a pour tous les goûts. Et puis François Bodin lui va nous parler d'un cadenas connecté, en principe inviolable. En principe, bien sûr. Ouais. Voilà, vous savez tout. C'est parti pour ce 01 Live 2. Nous sommes en direct. Le hashtag 01 Live vous attend. Et vous pouvez réagir et poser vos questions à nos invités. Bienvenue à vous tous. Et en ce 15 décembre 2016, Jérôme, déjà, notre question 01 Net Orange. Liée à l'actualité comme chaque semaine concernant le piratage Yahoo, êtes-vous concerné tout simplement par ce piratage Yahoo? Soit parce que vous avez un compte Yahoo, soit parce que par solidarité. Oui, écoutez, moi aussi ça me fait plaisir, oui. Je suis piraté, il n'y a pas de problème. Vous allez sur www.01net.com, vous faites défiler un petit peu la page, vous allez sur le sondage, vous nous donnez votre réponse, oui ou non, et on fera le point tout à l'heure. J'étais en train de me poser la question, qui a encore une adresse mail yahoo.fr? Un milliard de personnes. Non, un milliard dans le monde. Mais il y en a un, c'est Pierre Thiolin qui a pas bien fait de montrer son doigt parce qu'on va se moquer de lui. Ouais. Il y a encore des gens qui ont des adresses. Mais attends, mais moi aussi j'en ai. Moi j'en ai une. C'est vrai. Moi aussi. Et vous vous en servez? Bah oui. C'est une adresse poubelle en fait. Ah bah bravo, ça c'est encore. Donc c'est pas grave, c'est les piratés finalement. Bon Gilbert, qu'est-ce qui s'est passé alors cette semaine? Eh ben c'est le plus grand piratage du siècle. Alors c'est le deuxième plus grand piratage du siècle parce que Yahoo en fait déjà en septembre dernier avait fait le plus grand. C'est déjà victime du plus grand piratage de son propre record. Oui, c'est exactement. Ça. C'est le fiasco. On peut mieux faire en interne. Allez les gars. C'est le fiasco à répétition. Donc en septembre dernier, souvenez-vous, c'était 500 millions d'identifiants volés. Petit joueur, hein, là. Voilà, c'était petit joueur. Et maintenant, un milliard. Alors un milliard. Alors c'est pas exactement le même piratage apparemment. Donc c'est parce qu'il y en a un. C'était donc celui de septembre dernier. En fait, c'était un piratage fin 2014. Ouais. Et là, celui qui est annoncé hier, c'est un piratage qui date de août 2013. Donc, voilà. C'est pas le truc qu'il y a 3 ans en fait. Voilà, donc c'est, voilà, donc c'est juste énorme. Donc ça fait 1,5 milliard au total. Alors non, on peut pas additionner en fait les piratages. Tu as fait pirater deux fois. C'est possiblement des recoupements en fait parce que finalement c'est la même base qui a été piratée mais deux fois par des gens sans doute différents. D'accord. Est-ce qu'on sait comment ça s'est passé et comment les pirates ont réussi à récupérer toutes ces données? Non, à pirater tous ces comptes? Il n'y a aucun détail sur le modus operandi de ces pirates. On sait en revanche les données qui ont été subtilisées. Donc parmi ces données, les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les mots de passe chiffrés. Et les questions-réponses de sécurité, donc dont certains, donc vous savez quel est le nom de mon chien préféré, les questions de sécurité, ça n'existe plus. Hein. D'accord. À chaque fois, sauf chez Yahoo. J'ai pas de chien, qu'est-ce que je trouve comme nom quoi. Alors les mots de passe chiffrés, on pourrait se dire ah, tant mieux en fait, ils étaient chiffrés. Oui. Sauf qu'en fait là, le piratage de 1 milliard d'identifiants, ils étaient chiffrés avec un algorithme très faible, donc les pirates ont facilement pu avoir accès aux mots de passe en clair. Donc c'est grave. Est-ce qu'il y a une vraie menace en fait pour les utilisateurs et les victimes de ces comptes piratés ou pas?
Eh bien, oui, il y a une menace, tout simplement, parce que tous les comptes qui ont été piratés ont pu être hackés, en fait, consultés, oui. D'accord. Personnellement, mon compte a été consulté il y a quelques années. Ton compte a été piraté ? Mon compte Yahoo, oui. Donc, du coup, maintenant, je comprends pourquoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et alors, c'est grave ou... enfin, tu... Alors dans mon cas, ils ont copié mon carnet d'adresse et ils l'ont utilisé pour envoyer du spam en fait. Ouais, ouais. Voilà. Oui, ça c'est d'accord. Voilà. Ils n'ont pas piqué toutes les données sensibles. Non, il n'y avait pas de données sensibles. Non, mais c'est la NSA le week-end. Donc, oui. Enfin, voilà. Le soir surtout. C'est le soir, surtout, bien évidemment. Et pourquoi toutes ces informations remontent alors que ça s'est déroulé il y a 3 ans et demi? Ouais, ça c'est assez incroyable. Pourquoi d'un coup, tout d'un coup ils s'en aperçoivent. Allez, bon, on est le 15 décembre, les amis, 2016. On va remonter une affaire qui a 3 ans et demi. Oui, c'est incompréhensible parce que il y avait déjà en fait pendant l'été dernier un pirate qui vendait 200 millions de comptes Yahoo dans le darknet. Donc, donc déjà là, on se posait des questions, mais d'où viennent ces comptes et Yahoo a mis beaucoup de temps à réagir et à sortir ces infos en fait. Donc peut-être que l'enquête est vraiment particulièrement difficile, mais peut-être aussi ils essayent de temporiser quand même. On sent qu'il y a un peu de mou dans la voilure là, hein, chez Yahoo depuis quelques temps. Alors déjà, il y a beaucoup de mou dans la sécurité, mais en plus actuellement ils sont en rachat avec Verizon, donc peut-être que c'est aussi ils n'ont pas tellement envie de sortir ces informations. Le truc. Vous savez que vous pouvez réagir. Alors, cerise sur le gâteau. Oui. Donc, il n'y a pas seulement des identifiants qui étaient envolés, mais également du code source chez Yahoo. Du code source. Oui, du code source qui permettait aux pirates de forger des cookies d'authentification. Donc ça c'est encore mieux parce que du coup les pirates pouvaient créer leurs propres cookies d'authentification et rentrer dans n'importe quel compte sans mot de passe. Sympa. C'est super. Yahoo, c'est vraiment génial. Voilà la conclusion de notre expert. Yahoo, c'est vraiment génial. Vous pouvez réagir sur Twitter comme chaque semaine, hashtag 01Live. Et il y a Caribou qui se moque un peu et qui dit au troisième piratage, 01Live offre à Yahoo un abonnement à un antivirus. C'est vrai qu'ils auraient peut-être besoin de se muscler un peu sur la sécurité. Hein. Peut-être, oui. Merci beaucoup, Gilbert, pour ces précisions. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur 01net.com, on rentre un petit peu dans les détails grâce à Gilbert. Amélie Charnet est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, Amélie, qui revient de Corée, pas du tout jet-laguée, la classe, tout va bien. Tout va bien. On a deux sujets à voir avec Amélie. Le premier, c'est que, ma chère Amélie, tu as fait un voyage en Corée pour découvrir le futur des télécoms. Alors nous, on est allé à Tokyo. Oui, toi, tu es allé en Corée. Quelques semaines avant, c'était aussi pour la 5G. Pour la 5G. Ils sont un petit peu focusés sur la 5G en Asie. Tout le monde s'excite autour de la 5G. Oui, et même la Chine, on peut dire aussi. Toute l'Asie, en fait, est hyper focus sur la 5G et globalement quand même assez en avance au niveau téléphonie mobile par rapport à nous. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe là-bas parce que c'est ce qui va nous arriver, tout simplement. Donc c'est un labo, en fait, grandeur nature. Ouais. Mais donc, alors la 5G, c'est encore, enfin pour l'instant, c'est un chantier. C'est palpable. Est-ce que tu as pu surfer en 5G et télécharger des trucs en 10 gigas en une seconde? Non. Alors je rappellerai quand même un peu le contexte de la Corée du Sud. C'est le pays le plus connecté de la planète. Ouais, c'est vrai. Alors, on les voit là d'ailleurs, ils sont hyper connectés. Ça c'est quoi? C'est des images que tu as faites? C'est des images que j'ai faites. Il y avait une vingtaine de jeunes en fait que j'ai pu rencontrer pour leur poser des questions sur leurs usages mobiles. D'accord. Donc en fait, ça a beau être le pays le plus connecté de la planète, j'ai pas non plus découvert des usages incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est que donc ils sont totalement couverts en 4G, hein, même dans le métro depuis 2012. Très très en avance. Au niveau du fixe, ils ont. Comprennent un peu des leçons. Donc, Attends, on a de l'edge dans le métro. Oui, c'est vrai. C'est cool. Quelquefois, il y a des SMS qui passent. Même. Oui, c'est vrai. Et en fixe, ils ont en standard une connexion d'un gigabit. Donc c'est la connexion moyenne là-bas en fait. Donc faut bien avoir ça en tête. Alors ce qu'on voit surtout, c'est qu'ils consomment beaucoup plus de data que nous. Ça c'est logique avec cette connectivité partout. Et surtout ils regardent beaucoup de vidéos. Donc ça c'est ce qui nous attend en fait. Donc ils consomment 5 fois plus de data qu'un Français moyen. Et pas tout le temps les mêmes applis que nous d'ailleurs, parce qu'autant Facebook est populaire là-bas, autant ils ont leurs propres applications. Donc ils n'utilisent pas WhatsApp mais KakaoTalk, ils n'utilisent pas Spotify mais Melon, et ils n'ont jamais entendu parler de Snapchat.
C'est vrai, c'est pas vrai. Non, non, c'est vrai. Quand je leur ai posé la question, alors vous utilisez Snapchat? Parce que en plus j'avais affaire à des jeunes de moins de 30 ans. Et ben ils m'ont dit Snap quoi? Alors ils ont regardé tout de suite sur leur store si c'était dispo. C'était dispo, mais absolument personne ne connaissait ça là-bas. Non, c'est dingue ça. Et Instagram, c'est presque pareil. Ah ouais. Donc voilà, c'est surprenant au niveau des usages. Nous on est du côté. C'est comme la Chine avec WeChat par exemple, qui est une institution. Qui écrase tous les autres services de réseaux sociaux. Hein. Mais pourquoi ils consomment autant de data? Parce qu'ils ont des usages qui sont beaucoup plus, on va dire, intenses que nous? Ou est-ce que parce que comme ils ont de la 4G partout, ils consomment plus? C'est pour ça. Oui. Franchement, c'est pour ça. Ça te pousse à la conso. Alors, le corollaire quand même de tout ça, c'est qu'ils ont des abonnements qui sont extrêmement chers par rapport aux nôtres. Ah. Donc là, on en revient un peu sur le fameux débat. Les opérateurs français râlent tout le temps parce qu'ils disent, voilà, on nous a obligés à baisser les offres. Donc les Français ont accès à des tarifs quand même assez abordable, mais en contrepartie, nous, il nous manque de l'argent pour investir. Et ben, c'est vrai qu'en Corée du Sud, les opérateurs, ils investissent à tout va, vraiment à marche forcée. Les antennes, elles sont mises n'importe comment partout. On en voit plein au-dessus des immeubles. Il n'y a aucune contrainte d'intégration paysagère. Ils ont pas de Romain des Toits, donc c'est vraiment assez laid. Non, non, ouais, personne ne s'inquiète pour les ondes là-bas non plus. Mais la contrepartie, c'est que les abonnements, bah, pour avoir un tout petit peu de data en 4G, c'est minimum à $50 par mois. Non. Si. Et ils ont. C'est illimité, par exemple? Alors, l'illimité existe, mais c'est 2 gigas par jour. Bon, ça va. Hein, oui, 2 gigas par jour, ça fait 60 gigas par mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin, donc, cela dit, on a des offres, nous. Et hein, la Poste Mobile propose du 60 gigas. Hein. Oui, mais c'est... alors pour ces offres illimitées, il faut compter $90 par mois. D'accord. Donc, si vous avez déjà une connexion fixe qui vous coûte environ $90 par mois et que vous ajoutez votre connexion mobile qui est d'environ $90 par mois, ça commence à faire une belle somme. C'est dingue ça. Donc, le corollaire aussi, c'est que ils sont très prisonniers, très captifs de leurs opérateurs parce que les engagements là-bas sont de 3 ans. Minimum 2 ans. D'accord. Et le sans engagement n'existe tout simplement pas. D'accord. Ah oui. Mais ils ont des téléphones subventionnés comme nous aussi. C'est ça, voilà. Leur offre comprend l'achat du mobile. Finalement, d'accord, on a moins de réseau, mais on n'a peut-être pas franchement à se plaindre hein, au niveau tarifs, conditions commerciales, etc. La troisième conséquence aussi, c'est qu'ils vont très peu voir des applications tierces. Ils se contentent aussi beaucoup de regarder les contenus que leur proposent leurs opérateurs. Ils ont plein de partenaires. Donc au niveau, ils connaissent pas non plus Netflix. Hein. je préfère le préciser tout de suite. Donc ils ont leur propre je sais pas. Ils ont leur propre service de streaming vidéo. Les opérateurs généralement non pas qu'ils produisent eux-mêmes du contenu, mais ils ont donc des partenaires qui leur proposent. Et donc ils sont vraiment captifs de ces opérateurs, captifs de leur contenu. Et non seulement pour leur porte-monnaie, ça fait pas du bien, mais on peut aussi se demander au niveau neutralité du net si c'est très souhaitable cette situation. Mais ils ne connaissent pas non plus la neutralité du net. Donc comme ça c'est réglé. Je me posais la question, alors ils connaissent pas donc Instagram, ils connaissent pas Snapchat, est-ce qu'ils connaissent Zeronet TV quand même? Je n'ai pas posé la question. Ah. C'est très délicat, Amélie, c'est très bien, très sympa. Parfait. Et cette 5G, alors, elle arrive alors, quand, là-bas? Cette 5G, alors, c'est un peu compliqué. Donc, on a 40 secondes. On a 40 secondes. Voilà. La 5G, alors, tout le monde parle de la 5G. Il y a plein de labos qui disent, j'ai fait un record en 5G. Il y a plein de marques qui essayent de se positionner. La 5G, elle n'existe pas. Hein. Elle va être standardisée et elle sera commercialisée au mieux à partir de 2020. En revanche, 2020, c'est probablement qu'il y aura une ville couverte en France, une ville couverte par pays en Europe. Mais eux, les Coréens du Sud disent, on va installer la 5G dès 2018. Alors en fait, ils vont organiser les Jeux Olympiques d'hiver. À cette occasion-là, ils ont bien l'intention de montrer au monde entier qu'ils sont les plus forts et les plus en avance. En fait, ils vont tout simplement installer des installations qui seront temporaires et qui ne seront pas normées. Donc ça ne sera pas la vraie 5G, ça sera une sorte de 5G à eux. Mais une super 4G quoi. Une super 4G, pas tout à fait, parce qu'ils vont vraiment mettre en œuvre des nouvelles technos. Et ils annoncent, parce qu'on a vu par exemple des équipementiers comme Nokia Networks qui sont très actifs là-bas, ils annoncent des débits de 20 gigabits par seconde en mobile. Pas mal. D'ailleurs, tiens, on vient de recevoir une photo d'un utilisateur. On peut montrer ça ? Oui, bien sûr. C'est un utilisateur de 5G qui, a mal usé des expérimentations 5G. Si vous tu allez peux voir, nous montrer ça, Jean-David. Si peux nous mettre ça, voilà. Donc, évidemment, il y a une espèce de transformation physique qui se fait de manière intense. Ouais. Regardez, il y en a d'autres. Oh zut, ma pauvre. C'est pas sympa de m'avoir mis des moustaches. Oui, mais ça va plutôt bien. Ça va bien. Hein. Alors là, Jérôme, toi, tu fais vraiment flipper. Le psychopathe du dimanche. Oui, c'est ça. Je suis en prison.
m'appelle Jérôme avec un micro. Bon, très bien. C'est rigolo, c'est Nico qui nous envoie ça en nous disant que ce sont les pires, on est les pirates de Yahoo. Bon, c'est très bien. Très sympa. Merci beaucoup Amélie. Et puis alors, dossier complet sur Zéronet. Hein. Oui. Et puis on aura l'occasion de parler de la 5G, parce que évidemment nos opérateurs français sont de la partie, hein, et s'y intéressent, Orange, SFR, Bouygues, bien sûr. On parle en une minute du Wi-Fi quand même. Oui, bien sûr. Alors... j'ai fait un petit aller-retour à Lyon. Donc Paris-Lyon uniquement pour l'instant, Wi-Fi gratuit. Donc c'est disponible au grand public depuis aujourd'hui. Donc moi je l'ai testé un petit peu en version bêta, sur donc une seule ligne de TGV pour l'instant Paris-Lyon, mais d'ici la fin 2017, à peu près toutes les grandes lignes vont pouvoir être pourvues en Wi-Fi. Alors je rappelle juste le choix technologique qui a été fait. Contrairement à d'autres lignes qui au départ avaient testé le satellite, la SNCF a choisi de se reposer sur des infrastructures 4G, en l'occurrence celle d'Orange, qui a installé des antennes le long des 420 et quelques kilomètres de voie ferrée de Paris-Lyon. Et donc ensuite le train à l'intérieur il est totalement fibré en fibre optique, donc il y a des antennes sur le TGV qui captent le signal 4G, donc ensuite l'infrastructure elle est en fibre optique et le Wi-Fi est distribué avec des antennes Wi-Fi toutes bêtes, donc il y en a 4 par rame, 2 en haut, 2 en bas. D'accord. Et c'est gratuit, mais la grosse déception c'est de découvrir que la data accessible sera pas la même suivant que vous serez en première classe ou en seconde classe. C'est pas vrai. Ségrégation de la classe. Ça c'est quand même bizarre. Enfin, voyageur. C'est-à-dire en seconde on a quoi? Alors, on en a seconde, un méga. Alors non. Donc en première classe pour l'instant c'est 1 giga et ils savent pas encore parce qu'ils testent le service pour l'instant suivant les usages des gens. 1 giga de data. 1 giga de data. Par voyage. Par voyage. Oui c'est quand même confortable. C'est bien et donc pour la seconde classe. Sera 200 à 500 mégas. Ouais, ce qui est déjà énorme pour 3 heures de trajet. Oui, c'est pas non plus honteux mais c'est le principe qui est un petit peu décevant. Mais alors pour vous dire, moi j'ai pris récemment le train, j'ai fait du Paris-Marseille et donc j'avais le tronçon Paris-Lyon. Et en étant abonné Orange, je me suis rendu compte que j'avais de la 4G sur tout le trajet donc, installé, installé dans ma rame. Ça, c'est la question que je me posais. En fait, tu récupérais directement les antennes 4G. Exactement. Donc, si tu es abonné Orange, et je pense que les autres opérateurs doivent aussi être dans cette situation-là, du coup, t'as pas besoin de Wi-Fi. Et tu n'as pas besoin de Wi-Fi parce que ça marche très, très bien. Et j'étais impressionné parce que j'avais véritablement une bonne couverture 4G. Et alors, c'est amusant parce qu'on voit que c'est vraiment du Paris-Lyon. Dès qu'on dépasse Lyon, c'est terminé. Alors là, on retourne en l'an 1894. Donc vous avez de l'Edge, un peu de 3G, un peu de 4G. On voit que là, ils n'ont pas encore fait leurs travaux jusqu'à Marseille. Et j'ajouterais juste que j'ai fait la comparaison, j'ai fait des speed tests en 4G, puisque je pouvais le faire aussi, et en Wi-Fi, et que la différence est quand même assez énorme de qualité. C'est-à-dire, ça va plus vite en quoi? En 4G ou en Wi-Fi? En 4G, j'étais à 5 mégabits par seconde en débit descendant, et en Wi-Fi, j'étais à peine à 2. Donc il y a quand même une grosse différence de qualité. Donc c'est vrai que ceux qui ont la possibilité de capter la 4G le long de cette voie n'ont pas trop intérêt à utiliser le Wi-Fi. Mais ça permet de préserver sa data. Moi j'adore Amélie parce que c'est la seule fille que je connaisse qui fait les speed tests. Et alors ça, vous savez quoi, quand on est geek, c'est quand même un sacré kiff. Franchement, j'adore. D'ailleurs, j'ajouterais que au niveau sanitaire, c'est pas très très recommandé en fait dans le TGV qui va à 300 km/h. Parce qu'à l'Agence nationale des fréquences, ils m'ont dit que j'avais dû bien m'irradier quand même. Parce que parce qu'en fait, j'ai fait au moins 10 speed tests à 300 km/h en 4G. Et c'est pas ce qui est recommandé. Disons que t'as pas le téléphone collé à l'oreille quand même. Non, mais il vaut mieux éviter d'envoyer des données de toute façon quand on est à 300 km/h. En recevoir, c'est sans souci. Le Wi-Fi, c'est quand même préférable. C'est là aussi peut-être qu'on peut préférer utiliser le Wi-Fi à cette vitesse-là que la 4G. Voilà. Parfait. Ah, mais c'est j'ai pris des ça. Risques pour ma santé. Non, mais, et pour Zéronet et Zéronet TV, c'est beau, Amélie. Merci beaucoup. Quel courage. Ah là là, Jérôme, c'est pas nous qui ferions ça. Hein. Prendre des risques, télécharger en 4G dans le TGV. Jamais. On envoie Amélie. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie. Tout ça, c'est à lire, évidemment, sur 01net.com. Et tout de suite, on va s'attaquer à un autre gros sujet d'actu de la semaine avec Delphine Sabatier. À 18h20, Delphine Sabatier, donc, est là comme promis. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Directrice des rédactions de Zéronet.com. Delphine,
un pince-fesse dans la Trump Tower. C'est comme ça que tu vois c'est ça. C'est comme ça que je pourrais résumer les choses. Ouais. La Trump Tower, donc, au cœur de New York, qui pour l'instant est... C'est pas celle de Las Vegas qu'on va voir bientôt. Non, mais c'est la vraie. C'est la cinquième avenue, qui est la résidence donc personnelle de Donald Trump. La classe. Et il a accueilli, à l'occasion de ce pince-fesse, les géants de la high-tech, enfin tous les représentants des boîtes high-tech qui comptent, enfin presque tous. Que sait-on de cette rencontre ? Il y avait du monde, il y avait une énorme table ovale, on va dire, autour de laquelle on a retrouvé Tim Cook, le DG d'Apple. On a aussi Microsoft qui était présent à travers Satya Nadella, Larry Page et Eric Schmidt pour Alphabet, Google. Ils sont venus tous les deux. Sheryl Sandberg pour Facebook. On a eu IBM, Cisco, la patronne d'Oracle. Intel était présent, également Elon Musk pour Tesla. Et on s'interrogeait sur la venue de Jeff Bezos. C'était un peu, voilà, l'énigme. Allait-il venir? Puisque Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon, mais aussi du Washington Post. Et il a été assez cruel pendant la campagne qui affrontait Donald Trump avec Hillary Clinton. Donc, il devait être un peu en froid. Et Donald Trump n'était pas non plus très tendre à l'égard d'Amazon en lui disant qu'il aura des problèmes. Tim Cook avait l'air de bien s'amuser. Tellement de problèmes quand je serai président. Il y avait des menaces qui avaient été proférées par Donald Trump. C'était aussi si Amazon payait ses impôts dans les règles, eh bien ses stocks s'écrouleraient, l'entreprise s'effondrerait comme un château de cartes. Donc c'était assez agressif entre les deux personnages. Jeff Bezos avait répondu un truc que je trouve assez marrant. Il lui avait dit nous réservons toujours un siège sur une fusée Blue Origin en voyant Donald Trump dans l'espace. Voilà. Ça, c'était avant qu'il soit ça, élu, bien évidemment. Avant. Et puis, ouais. Une fois élu, évidemment, Jeff Bezos a félicité le nouveau président. Maintenant, il aura une place en première des Américains. Exactement. Et donc, hier, il était de la Réunion. Bon. D'accord. Alors, finalement, le grand absent, c'était Jack Dorsey de Twitter. On sait pourquoi il a été ignoré par l'équipe de Trump. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on sait que Donald Trump adore Twitter. Tout cas, il est très, très actif. J'ai compté 34 000 tweets, plus de 17 millions même de followers sur Twitter. Alors, l'explication officielle, on ne l'aura pas, parce que si je m'en tiens au porte-parole des Républicains, c'est plutôt rigolo. Il dit que la table n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. Un autre a émis une autre hypothèse. On ne pouvait pas rentrer. N'importe quoi. Un autre partisan a émis une hypothèse comme quoi Twitter n'était pas assez important financièrement. Alors, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a valorisation boursière. C'est presque ridicule par rapport aux autres qui étaient autour de cette table. Absolument. Ça semble quand même assez incontournable aujourd'hui, Twitter. Donc, il y a une autre explication qui est... Tim Cook fait une tête. Il a l'air complètement hagard en disant qu'il s'est pris un coup de poing dans la figure. C'est dingue. Alors restez concentrés. On en était à Twitter. Oui, on en était à Twitter. Alors, pardon. Donc, les bruits de couloir ont une autre théorie qui semble quand même un peu plus intéressante. Ce serait le résultat d'une querelle pendant la campagne, là encore. Jack Dorsey aurait refusé, en fait, d'accoler un emoji systématiquement au tweet sur le hashtag Crooked Hillary. Crooked, ça veut dire corrompu, escroc, Hillary, escroc. Et donc Twitter aurait refusé cette campagne publicitaire, ce qui aurait vraiment fâché Donald campagne Trump. Payante, c'est-à-dire qu'ils et ça expliquerait son absence hier. Ouais, d'accord. Bon, et alors, cela dit, c'était un peu une campagne pourrie, quoi. Enfin, c'est pas très... Oui, c'était pas très élégant, pas tout à fait. Ouais, bon. Sinon, qu'est-ce qu'ils se sont dit, tous ces braves gens? Oui, il y avait des plateaux repas, des trucs comme ça ou... Alors, ça a commencé assez sympathiquement, mais il faut rappeler quand même le contexte. On le disait, donc, la Silicon Valley, globalement, était plutôt anti-Trump. L'ambiance n'était pas au beau fixe. Deux semaines avant l'élection, on avait quand même les fondateurs d'Apple, de Twitter, de Wikipédia et d'eBay qui ont signé ensemble une lettre ouverte pour dire que Trump à la Maison-Blanche était un désastre pour l'innovation. On sait aussi que les contributions financières pendant la campagne ont été 114 fois plus importantes vers Hillary Clinton que vers Donald Trump. Ça, c'est des chiffres de Bloomberg. On a aussi Mark Zuckerberg qui s'est vraiment opposé à Donald Trump sur la politique d'immigration. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Après, qu'est-ce qui s'est dit véritablement, on ne le saura pas. Il y a eu une introduction qui était fort chaleureuse. Donald Trump a félicité tous ces génies autour de la table. Il leur a dit qu'ils étaient uniques. C'était et qu'il allait tout faire en fait pour leur venir en aide. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire des États-Unis des champions, s'ils ne le sont pas déjà, ça on peut se poser la question. Si Apple pouvait fabriquer ses iPhones ailleurs qu'en Chine. Oui, alors Jeff Bezos a dit que ça avait été bien. Très constructif. Bon, alors il reste assez vaseux, il y a des problèmes sur l'éducation, tout ça. Les sujets, je pense, sérieux qui ont été abordés, on les a un peu dans les pistes de campagne de Donald Trump. C'est effectivement la relocalisation de la production, puisqu'il a menacé Apple de l'obliger à produire son iPhone
aux États-Unis pour créer de l'emploi. Bon, a priori, c'est pas tellement envisageable parce que ça ferait juste augmenter les coûts de production de manière assez délirante. L'iPhone coûterait 2000 euros au lieu de 1000 euros. Bon. Oui, c'est pas énorme. Oui, et puis surtout, ça coûterait plus à Apple qui perdrait en marge et en revenus. C'est très dommage. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, que Tim Cook décide de faire un pas sur une certaine relocalisation de certains produits. Certains Macs sont fabriqués aux US, hein, d'ailleurs. Ils sont assemblés. Alors, ça a été fait, effectivement, sur un Mac à une époque. Il y a aussi le sujet d'immigration. Je disais, Facebook s'est opposé à ça parce que Trump veut limiter l'immigration. Or, les entreprises de la tech ont énormément besoin de faciliter l'installation des immigrés, notamment des ingénieurs aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui a été négocié là-dessus? Il y a aussi la collaboration avec les services de renseignement, qui est une vraie question importante, puisque Donald Trump souhaite que les entreprises de la tech partagent les données avec les services de renseignement dans les enquêtes. Or, jusqu'ici, par exemple, Apple s'est toujours opposé à cette politique. Voilà, on verra. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'opérations de lobbying. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, pratiquement tout le monde était autour de la table, alors tout le monde était opposant de Trump. Aujourd'hui, bah, c'est le président des Américains, il est incontournable. Et voilà. Donc, business is business. Il faut bien faire affaire avec. Il fallait recoller même les morceaux. Même s'il y en a certains qui grincent des dents quand on voit la tête de Tim Cook, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous remettre la tête de Tim Cook? C'est compliqué. C'est pas grave. Alors, il paraît qu'il a même pas daigné se présenter. Il a dit, je suis Tim Cook. Allez savoir. Tim Cook. Voilà. Merci Delphine. Merci. Delphine Sabatier. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Tiens, un petit tour vers notre question 01net Orange. Oula. Êtes-vous concerné par le piratage de Yahoo? Non à 85%. Vous n'en avez rien à faire. Vous pouvez continuer à voter. Piratage daté de 2013. Alors, je ne suis pas sûr que 85% des répondants n'avaient pas un compte Yahoo en 2013. Vérifiez bien avant de dire que vous n'êtes pas concerné. Est-ce que Delphine Sabatier a un compte Yahoo? J'en ai eu plein. Maintenant, non. Non. Ben voilà, c'est vrai. Mais plein, oui, mais ça veut dire que vous les avez fermés? Ah bah parce que souvent on les ferme pas. Non mais ça veut dire qu'il faut changer tous ces identifiants, tous ces mots de passe. Voilà. Delphine, merci. Et tout de suite direction le labo 01net avec Jean-Sébastien Zanqui et François Bedin. On est un peu en retard, mais c'est ça qui est bien. Oui, mais c'est ça qui est bien, on est en direct. Hein, et puis sur le web, il n'y a rien derrière. Donc on s'en fout, on peut continuer. Il n'y a pas une série ce soir sur Zéro TV? Sur Zéro TV, oui, il y a une série qui va commencer. Il y a un match de foot aussi. C'est vrai. Ratez pas. François Bedin est là, salut François. Bonjour. Et Jean-Sébastien Zanqui, bonjour Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Alors, on parle de smartphone avec une marque dont on ne parle pas forcément très souvent en matière de smartphone et qui pourtant, là, c'est Noël, ils ont tout lâché d'un coup. C'est un peu l'étonnant challenger en smartphone de cette fin d'année, c'est Asus. Asus qu'on connaît un petit peu plus par les ordinateurs, par notamment en gaming par les ultra-portables. Et en fait, depuis quelques mois, ils se lâchent un petit peu. Ils se sont dit, bon, quand même, sur le smartphone, il se passe des choses, il y a peut-être 2-3 sous à faire. Et ils ont lancé une gamme qui est la gamme Zenfone 3. Et on les a presque tous testés, à peu de choses près. Et effectivement, il y a des choses assez étonnantes. Il y a des très bons téléphones. Ils sont tous notés 4 étoiles à notre labo. Wow. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a des. C'est une gamme assez segmentée. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Okay. C'est-à-dire, il y a le Zenfone 3 tout court, qui est disponible en 5 pouces 2. 5 pouces 5. Il y a le Zenfone 3 Deluxe que j'ai en main, qui est un petit peu plus puissant, avec un écran Super AMOLED, très beau design, et notamment il y a un détail qui est quand même assez fou, c'est-à-dire que regardez, il n'y a absolument pas d'antenne autour, comme on voit souvent sur les coques en métal. C'est un téléphone sans antenne en fait. C'est un téléphone qui ne capte pas. Oui, voilà. ça, c'est pratique. Il capte très bien, mais ils ont réussi à faire un design où les antennes ne sont pas, enfin les parties visibles. En plastique pour les antennes ne sont pas visibles. Donc c'est quand même, à ma connaissance, une première sur un smartphone haut de gamme. C'est un exploit en matière de design. Oui, parce que c'est compliqué de pas faire passer les ondes à travers du métal. Donc ils sont débrouillés autrement, certainement par la face avant. Et puis il y a une espèce d'ovni qui est le Zenfone 3 Ultra, qui est une espèce de fablette immense. C'est énorme. Vous voyez, on est un petit peu ridicule quand on l'utilise. Ça c'est 6,8 pouces, c'est ça, François? Mais en Asie, ils adorent ça. On voit plein de gens. En Asie, ils adorent ça. Chine,
on rappelle que Asus, c'est une marque taïwanaise, donc ouais. Effectivement, il y a un marché pour ça. Hein, presque. C'est presque un iPad mini, on y est presque. Et voilà, c'est globalement sur l'autonomie, ils sont plutôt performants. Les écrans sur le Zenfone 3 Deluxe, c'est un écran Super AMOLED, donc c'est vraiment ce qu'on retrouve sur de haut de gamme, par exemple chez Samsung ou chez d'autres. Et puis c'est du processeur Snapdragon 820, Snapdragon 625, donc ça tourne tout à fait bien. On peut jouer à des jeux 3D dessus sans aucun problème. Et puis c'est une arme. Et puis c'est aussi une arme. La paluche que c'est. Ou une raquette de ping pong. Ne m'agresse pas ou je te donne un coup. Donne-moi ton téléphone. Tiens, ben voilà, tu l'as eu. Côté photo, c'est alors bon côté photo, alors on n'est pas encore là au niveau de Samsung et consorts, mais quand même, ça se rapproche vraiment très près de ces marques-là. On sent que c'est une marque qui grimpe, qui en gros, on peut dire que Samsung dans Android est au top, Huawei arrive pas loin derrière, et vraiment Asus pousse un peu derrière Huawei, et au fur et à mesure arrive quand même à faire des téléphones qui sont assez performants. Donc voilà, c'est une bonne surprise. Rapport qualité-prix. Alors par exemple le Zenfone 3 qui est plutôt bien, qui est pas celui-ci, ça c'est le Zenfone 3 Deluxe qui est un peu plus grand. Mais le Zenfone 3 Deluxe, Jean-Sébastien. Tout le côté bling bling. Est-ce que tu vois baigner dans la médiocrité? Non, moi je ne le vois pas, non. Franchement. Donc, c'est gentil. Mais alors le Zenfone 3, il est à 379€, donc c'est tout à fait abordable. Et le Deluxe, par contre, lui. Moi c'est Deluxe, je suis assez Deluxe aussi. Lui, il est à 699€. Ah ouais. Mais c'est du Snapdragon, voilà. Alors les tarifs. Ah ouais, on passe de 379€. On y arrive quand même. Ouais, ouais. Mais c'est une configuration, voilà, Super AMOLED, Snapdragon 820, donc 6Go de RAM, ce qui est quand même assez rare. Donc voilà, c'est une configuration haut de gamme. Donc ils y vont très fort et ils essayent de se faire une place au milieu de toutes ces gammes haut de gamme Android. Et celui-là, donc, l'arme blanche. Et celui-ci, il est à 650€. 650. C'est ça. Et encore un autre modèle qui s'appelle le Zenfone 3 Laser. Oula. Il s'appelle Laser parce qu'il y a une lumière. On a vu des images. Un laser pour prendre les photos, paraît-il, plus rapidement. Laser. Voilà. C'est ça. Qu'on retrouve sur certains smartphones haut de gamme aujourd'hui. Voilà. Et pour l'avoir testé, j'ai pas été spécialement convaincu par la qualité photo. Alors, il est peut-être rapide en autofocus, mais par contre, la qualité des images, c'est pas ça. Celui-ci, j'avais pas cité parce qu'effectivement, il est à côté photo, c'est cohérent. Parce qu'à 6,99, si je prends le Deluxe, je m'attends quand même à de belles photos. Alors ils sont encore un petit peu en dessous hein, par rapport à d'autres modèles à ce prix-là, mais on sent que ça monte bien en gamme. Et ils sont assez cohérents sur la qualité, on va dire haute lumière et basse lumière. C'est pas une catastrophe en basse lumière comme peuvent l'être certains qui sont très bons en haute lumière et qui s'écroulent complètement dans des capacités. Enfin, Jean-Sébastien passe bien. Et l'Ultra est capable de filmer en 4K, ce qui est quand même impressionnant. Alors en extérieur ça marche plutôt bien, par contre en intérieur il a quand même du mal, dès qu'il n'y a pas trop de lumière il a du mal. Parfait, merci beaucoup. Super. Jean-Sébastien Zanqui. Merci. Pour donc l'Asus qui essaie de qui est une marque d'arriver sur ce marché, qui commence à compter qui est un peu encombré quand même hein, le marché du smartphone. Clairement. Ils vont avoir du boulot hein. Clairement. Oui, mais écoute, ça se vend quand même. Évidemment. Les tests à lire sur Zeronet. Tout à fait, tous les tests sont là sur Zeronet.com. Allez, on va terminer avec des objets connectés. Tout à soi, François, deux objets connectés, dont un cadenas. Le premier, c'est un cadenas connecté. Écoute, ça peut toujours servir. Un cadenas connecté, c'est moi je dis, ça peut toujours servir. Oui. Alors c'est une société qui s'appelle Nokia, qui est un jeu de mots pour Nokia, pas de clé. Ouais. Ah oui. Et ça peut servir. Le but est le suivant, c'est en fait, on se rapproche avec son smartphone du cadenas et il s'ouvre tout seul. Mais c'est génial. Par NFC ou par Bluetooth? Par Bluetooth. Voilà. Ouais, et si on n'a pas le smartphone sous la main, ils ont prévu un système de combinaison en appuyant un certain nombre de fois sur le haut du cadenas et on peut définir son propre code de déverrouillage. Ouais. En appuyant un certain nombre de fois, longuement ou rapidement. Là, ça c'est un truc à oublier, tu sais. Tu sais plus du tout. C'est là où il faut que tu appuies. C'était mort. Il faut se rappeler un mot. Donc il n'est pas connecté. Il ne peut pas s'ouvrir à distance. Je vais le verrouiller à distance. Définitivement. Non, il faut qu'il soit rapproché. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. Et alors, il le géolocalise aussi. Il le géolocalise, mais avec en fait les fonctions de localisation du smartphone. Il n'a pas de. Oui, il n'a pas de traqueur GPS à l'intérieur. C'est comme un porte-clés finalement. Voilà. Connecté. Cela étant, c'est de l'acier, c'est du costaud. Par contre, il est lourd. Ça se voit que c'est lourd. Il est vraiment lourd. C'est la deuxième arme de. Comme arme de poing, c'est très bien. Pas mal, hein, les amis. Mais Pierre, ne bouge pas. Attends, on va voir. Mais pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir de clé ou de combinaison, c'est quand même c'est une solution intéressante. Et ça coûte combien ce Alors, ça coûte, selon les sites où ils le vendent, ça coûte entre 65 et 80€. D'accord.
Bon, après, mais est-ce que c'est plus sécur qu'un cadenas traditionnel ou en tout cas qu'un cadenas à combinaison parce qu'on sait que ceux avec les combinaisons de chiffres, c'est pas l'idéal. Hein. Si on sait un peu bidouiller, on peut les ouvrir. Alors, a priori, celui-là, il fonctionne avec un système de chiffrement. Bon, après, le truc, c'est toujours pareil. Avec, peut-être qu'avec une grosse pince, Monseigneur, on peut le péter. Oui, bien sûr. Oui, je pense que là, il faut une voilà, ouais. C'est une question de moyens. C'est comme avec n'importe quel antivol. Bien sûr. Mais ils ont fait un truc pas mal, c'est qu'ils fonctionnent avec une petite pile bouton. Et la pile bouton n'est accessible que si le cadenas est ouvert. Donc, quelqu'un ne pourra pas tenter de hacker, entre guillemets, le cadenas en tentant de l'ouvrir. Et la pile bouton dure à une autonomie de Elle a une autonomie, je crois, de un an à peu près, ouais c'est ça, un an, et dans l'appli, parce qu'il fonctionne donc avec une appli quand il est en mode connecté, et l'appli indique l'état de la pile bouton. D'accord. Bon, écoutez, c'est un gadget. Hein, non, c'est pas un gadget, c'est un produit. C'est révolutionnaire. C'est le cadenas connecté, les amis. Non, c'est pas révolutionnaire, mais c'est la première fois. Voilà, c'est une des premières fois qu'on voit ce type de produit. C'est en objet connecté. Voilà, ouais. C'est le mérite d'être original. Mais tu verras, dans quelques temps, on n'achètera plus de cadenas pas connectés. C'est comme vrai. Les montres. Non, mais t'as raison. Comme les lunettes, comme les bracelets, comme les. Ah oui, une fonction aussi intéressante que j'avais oubliée, c'est qu'il est possible de partager la connexion avec d'autres utilisateurs. Ah voilà. Car par exemple, un membre de la famille. Mais ça, c'est la fonction la plus intéressante. Mais quand on est égoïste. Non, mais on peut vraiment définir quelle personne, quelle date, quelle heure, cave, etc. Et quand j'ai besoin d'une bouteille, hop, viens, m'envoie le code. Et non, mais même pas. Je t'envoie le code ou je peux t'autoriser. Je garde le code. Voilà, m'autorise, Tu vois là avec ton smartphone. C'est une bonne idée. Très bien. Bon. Mais en fait, si je te donne le code, c'est pour que tu re-remplisses ma cave. Je ne sais pas si tu avais compris. Oui, mais ça marche pas comme ça. Donc ça, François, c'est le premier cadeau. Allez. Parce que c'est un cadeau. Et on va terminer avec un autre petit joujou. Vert, Qui s'appelle normalement le garde pinote, quand je confonds toujours l'ordre des mots. Oui. Alors pinote parce que ça ressemble un peu à une cacahuète. Enfin bon, il faut chercher le truc longtemps. Oui. Et si tu manges une cacahuète verte, ça rentre dans la catégorie des porte-clés connectés, mais là, la vocation, c'est vraiment alarme en cas de déplacement. C'est-à-dire que si jamais, en fait, on le déplace, ça va générer une alarme directement sur le boîtier, il va se mettre à sonner de façon assez stridente, et aussi sur le smartphone. Voilà, regarde, moi j'en ai un aussi. Dès que je le secoue, j'ai pas compris. J'ai une alarme sur ma montre. Faut suivre, François, faut suivre. Non, mais excuse-moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est un. Tu le mets sur n'importe quel objet, par exemple sur ton sac, et si on tente de piquer le sac en le déplaçant, et ben il le détecte. Voilà. Mais si c'est moi qui prends le sac, il va pas. Tu déconnectes l'alarme dans ce cas-là. Tu coupes l'alarme. À chaque fois, il faut mettre l'alarme sur le sac. L'appli est vraiment très bien faite. Non, mais l'appli est très bien faite. On peut l'activer, pas l'activer. C'est vraiment. Après, c'est limité en fonction. Ça fait que ça. Mais ça fait bien. Tout à fait. Ouais, bon, mais ça fait pas la température et tout ces trucs. Il y en avait un autre qui fait la température. Et l'appli gère les deux. Donc dans l'appli, on a effectivement les deux types d'appareils. Moi, je trouve que c'est malin. C'est Rafi Aladjian, notre ami Rafi Aladjian, la société Sense. Mais c'est vrai qu'on se demande un peu à quoi ça sert. Parce est-ce que vraiment on a souvent besoin de surveiller son sac à dos qu'on va déposer au sinon, on peut le mettre sur une porte, non? La porte d'entrée de son appartement, si la porte bouge. Sur une porte d'appartement, activer l'alarme. Non, mais l'alarme, attention, ça va pas réveiller le quartier, ça fait bidi-bip, t'en meurs pas. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop gênant. Attends, celle-là, c'est la mienne. ne mélangeons pas. Non, alors, François Benat, t'as vu, en 2-3 mouvements, il voulait te prendre ton pinette. Mais sur la porte, pour répondre à... C'est vrai, sur une porte d'entrée, la porte de ta maison. Je l'ai mis sur la porte d'entrée de ma maison, en fait, ça n'a aucun intérêt. Parce que, en réalité, il faut que tu sois... La portée est de 60 mètres. Ah d'accord, super. Oui. Ouais, okay. Ouais, bon. Donc en fait, si tu n'es pas chez toi, tu ne seras pas averti. Non, ça sert vraiment à rien. Ça va sonner, mais pour personne, en fait. Ça va pas sonner. Il va enregistrer que la porte a été ouverte. Ah bah c'est cool, quand tu rentres chez toi, tu sais que la porte est ouverte. Exactement. Génial. Quand tu rentres chez toi, tu sais à quelle heure la porte a été ouverte. Pour les parents qui veulent savoir quand les enfants sont rentrés, ou si tu as une très grande maison, par exemple, tu vois... Bon, en même temps, ça coûte que 29 euros, c'est pas non plus... c'est 29 euros, on va l'acheter, parce que même si ça sert à rien, c'est pas cher. Autant dépenser de l'argent pour rien, c'est pas plaisant. Non, mais attends, moi je trouve ça... C'est vrai que nous, on voit pas trop à quoi ça sert. Ouais. Mais sincèrement, si vous voyez une utilité... Si Rafi nous écoute, dites-le nous. Qui nous le dise. Mais je suis sûr que pour des cas très précis, il y a des gens là qui nous regardent, qui disent « Ah ouais, mais moi c'est ça qu'il me faut pour je sais pas quoi, pour surveiller mes poules dans la basse-cour, je ne sais quoi. » C'est le truc qu'ils attendaient, Non, mais ce qui est bien, c'est
que ça a le mérite d'exister. Enfin, que oui, moi, je trouve que c'est effectivement peut-être qu'il n'y a pas grand monde. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas convaincu. Non, okay, non, mais c'est pas qu'on n'est pas convaincu, c'est qu'on n'a pas réfléchi encore sur l'usage. C'est joliment dit. Voilà, on n'a pas encore. Mais moi, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui dira ça, ça m'intéresse pour ce que je veux en faire. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, si c'est vous, dites-le nous. Hashtag Zéro Life. Oui, ça m'intéresse. Je vois une cacahuète qui n'a aucun intérêt. Parce que d'habitude, en plus, ça ne peut même pas la manger. Oui, ça fait pas long feu avec toi, les cacahuètes. Ça a du sens, mais là, bon. Très bien, merci beaucoup François. De rien. Bon, on plaisantait bien sûr, on taquine Raphaël Adjan qu'on aime beaucoup, c'est notre maître à tous. Hein. C'était le papa du Nabastag, rappelez-vous. Ouais, c'était le premier fournisseur d'accès français à Internet aussi, tiens. Plus, au hasard, au passage, rappelons-le. Merci Jean-Sébastien et merci beaucoup. François. Et un dernier petit mot sur la question Zéro Net Orange. Sur tes vacances. Tu sais le truc qu'on fait avec Orange, la question Zéro Net Orange, quoi, en fait. Voilà. Absolument. Êtes-vous concerné par le piratage de Yahoo? Non, à 86%. Ah, ça s'empire, en fait, avec le temps. Oui, ça s'empire. Voilà. Bah, écoute, voilà. Hein. C'est, la messe. Donc, finalement, vous pouvez continuer à pirater Yahoo, ça n'intéresse personne, tout le monde s'en fiche. J'espère que la patronne de Yahoo, qui est un peu dans la tourmente en ce moment, ne dit pas ce sondage, parce que là, elle va partir tout de suite, je pense. Jérôme, ce Zéro Live est terminé. Absolument. On se retrouve pas tout de suite, en fait. Alors, on se retrouve pas tout de suite, en effet, puisque là, on va, vous savez quoi, s'accorder 2 semaines de repos. Enfin, de repos, quand on dit repos, pour le Zéro Live Hebdo, parce que vous retrouverez plein de vidéos, évidemment, effectivement, et De quoi je me mêle sera là, même la semaine prochaine. Mais on se retrouvera, vous savez quoi, pour... Le CES de Las Vegas. Et oui. Qui sera le grand événement de la rentrée, bien sûr. On y sera, et à cette occasion, alors là, franchement, on va vous proposer une couverture exceptionnelle de ce CES de Las Vegas. Comme d'habitude. Comme chaque année. Avec 1 heure de live tous les jours, donc du jeudi au dimanche. On sera sur le stand de La Poste pour vous faire découvrir toutes ces innovations, à la fois internationales, mais aussi françaises, parce que vous le savez, les startups françaises vont venir en force. Ouais. Et puis, une multitude de reportages, comme d'habitude. On ira un petit peu trifouiller dans tous les stands importants de ce salon. Voilà, donc à partir du 3 janvier, 4 janvier, rendez-vous sur 01net pour suivre le CES. Et à partir du 5 janvier, tous les soirs à 20h pour 1 heure de live en direct de Las Vegas. Merci à Thomas Remilleret, à Pierre Thulien, à Jean-David Duhart, nos génies de la technique. Oui, qui c'est vous vrai. Permet de suivre en direct ce live, à la fois sur YouTube et aussi sur Dailymotion et Facebook. Voilà. Très bonne fête de fin d'année, portez-vous bien et on se retrouve très vite. À très vite et bonne soirée.